Yo, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors je profite aujourd'hui de mon dernier jour en Chine. J'ai été obligé d'écourter mon séjour, hein, mais je reviendrai. Fin du mois ou début du mois prochain, je verrai, je reviendrai. Donc on fera peut-être un peu plus. Alors je profite de ce dernier jour, en fait on va aller manger mongol. Là on est samedi midi, taxi à 14h, on va prendre l'avion à 16h, donc on va être plutôt pas mal. On va aller manger mongol. Alors oui, la fois je me suis trompé, j'ai dit manger mongolien, non. Faut manger mongol. On peut manger mongol comme un mongol. Je pense qu'on peut manger mongol comme un mongolien aussi. Ça doit marcher. Mais voilà, on va aller manger mongol parce que vous allez voir, c'est vraiment le nord de la Chine et la bouffe est quand même plutôt sympathique. Voilà. Moi j'apprécie mieux que la bouffe chinoise en fait. Voilà. Parce que la bouffe chinoise, je trouve ça. Ils mettent un peu tout dans le plat et démerde-toi. Là, on est plus sur un. La nourriture du Nord, c'est pas mal, notamment si j'arrive à commander. Sinon, ça va être jiaozi, l'espèce de ravioli. Bah, je vous emmène et comme ça, on va arrêter de tourner un peu. Exactement ce que je voulais manger. Bon, c'est pas grave, ça n'empêchera pas de manger. On va manger léger et on verra ça quand ça va arriver. J'arrête un peu de regarder des vidéos des mecs en moto. Donc c'est une espèce de. Oui, tu vois. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une espèce de. Au mouton. Ah, donc ils mettent ça dans du pain. Un peu de bosser. C'est un peu chaud donc. Pas dans le truc. Mais c'est assez sympa. Non, c'est du pain. Ouais, c'est du pain. C'est du bio. Du pain et tout, donc c'est bon quand même. On a bien fait d'arriver en avance, il est midi et demi, tout le monde commence à arriver, c'est la folie. Plein de gens qui attendent, gens qui mangent des glaces. On a pas eu droit à la glace, ni à la sucette. Voilà, donc bon, 64 arimbi plus tard, 64 arimbi, ça fait 6, 7, ça fait 9 euros. À 9 euros, on a mangé deux petits espèces de kebab là, au porc, dans du pain, c'était pas mal. Après, les jiaozi, voilà, moi j'aime bien, voilà, espèce de ravioli, au moins, voilà, tout mixé dedans, on prend pas de risque, plutôt sympa. Et puis voilà, on a bien mangé, je vais voir un petit peu, là on peut manger coréen. Vous doulez l'accoutrement. Ça va être pour bientôt la Corée. Hein. Je pense que cette année j'aimerais bien y aller. Dès que mon bras il est un peu remis là, on va recommencer. Elle attend un peu. Elle attendait un peu en disant en pensant que j'avais pas la filmer, mais non, la filmer derrière. Je vais attendre un peu que mon bras s'en remette et je partirai bien en Corée là quand même. Hein. Voir un peu les vêtements locaux. Partir une semaine assez haut, ça pourrait être sympa. Voilà, donc on a bien mangé, sans trop de la viande avec des raviolis et puis
de trucs pas trop gros, pas trop graves. Voilà, c'était bien sympathique. On arrête ici, comme toujours, pour le studio de G3R. Chers commentaires, pouces en l'air, on va pas faire un vlog trop long aujourd'hui. Et puis, bah, moi, je donne rendez-vous dès qu'on a fait 3000 vues ou dès qu'on a les 500 pouces en l'air ou avant si j'ai un peu de stock. Mais là, je vais avoir du stock, promis.